Yo tout le monde, c'est Kiara. J'espère que vous allez bien et nous revoilà aujourd'hui, les amis, pour la suite de The Devil in Me. J'avais hâte de passer à ce chapitre-là parce que, les gars, le coup du microphone pour entendre la source du bruit là, c'est incroyable. Donc on va commencer sans plus tarder. J'espère que vous allez bien. Oh putain. Ça pleure, on est d'accord? Mais ça vient de là. Attends, je vais examiner le livre avant. Ah, mais le livre, il avait été jeté par l'autre tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, hier surtout. Ok. Technique de respiration d'urgence. D'accord. Commence par mettre ton casque. Se trouve, j'aurais dû le lire. Ça vient de là. Y a plus de bruit. Qu'est-ce que c'est, glauque? L'exécution de Holmes. Ok. C'est quoi, c'est un monte-charge? Qu'est-ce qu'on entend? Oh putain, arrêtez. Attends. Oh non, moi j'aime pas les sons comme ça va me stresser. Ah, je n'aime pas ça, j'ai déjà. Voilà, je reviens. What? C'est moi qui me faisais tuer? C'était pas ouvert là tout à l'heure. Je suis en train de devenir folle, toutes les pièces sont en train de changer. Oh putain. Ah, vous sentez venir? Non, ça vient de derrière moi. Attends. Mais quoi? Ça y était pas, ça y est, quelques instants. Elle me met l'eau au cœur.
Mais what? Mais qui? Oh, mais quelle angoisse! Bon, bah, elle se retrouve déjà dans la mouise. Ça commence, hein. On a 5 minutes de gameplay, même pas, c'est déjà les emmerdes. Oh là 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 là. Bordel! Le disjoncteur. Elle a... Ah. Merde. Quoi? Oh oui. Monsieur Dumet? C'est qu'elle dit merde. C'est elle? Attends, quoi? Cette dame, quoi? C'est l'hiver, les horaires d'ouverture de la piscine changent. Ok. Il y a un code. Vous notez 0451. 0451. Le 17. C'est temps de passer au 21e siècle, les gars. Soirée d'ouverture. C'est là où tous les emmerdes ont commencé. Hein. Parfait. Oh. Je me retrouve seule dans le local de maintenance flippant d'un hôtel hanté sur une île perdue pour filmer un documentaire sur un tueur en série et sans mon taser. Profite bien de ton petit souvenir, mec. Jimmy. Tout est une question de choix. Tout est de ta faute. Attends. Est-ce que je pouvais pas le retourner pour voir s'il n'y avait pas une information importante derrière? Ah. Enchère en ligne, objet de collection, tueur en série. Chapeau original. Oh, 24 000 balles. Nom d'utilisateur HHH. Ok. HH pour HH Holmes. Ok. Quelle angoisse. Je récupère tous les papiers. Je me dis qu'il y a peut-être des trucs de caché. Hein. Cher monsieur Clark. Monsieur Becknap souhaiterait effectuer des nouveaux travaux dans le spa de l'hôtel. Nous négocions actuellement un contrat formel et nous aimerions que le reste de l'équipe réalise une évaluation des coûts. Il peut vous fournir une liste exhaustive des travaux qu'il souhaite effectuer une fois votre rapport reçu. Nous arrangerons pour qu'une équipe vous remplace pendant un temps. Ok. J'aurais peut-être dû retourner la feuille. C'est pas ce que j'ai aujourd'hui, je veux pas retourner les feuilles. Je pense que j'ai trop peur. Et voilà, il y a un truc. Et voilà. Évaluation des coûts. Plan et devis, Laura, électricité et préparation du site. Franck honoraire, ingénieur, permis logistique, Ryan Terrassement. C'est pas tous ceux qui étaient invités. J'avais vu une Laura. Je l'avais dit là, lors d'un épisode. Je sais plus lequel. Oh là là. Il va y avoir une merde. Encore monsieur machin. Hein. Je fais suite à la discussion concernant les travaux que vous souhaitez effectuer dans votre établissement. Ok. Chantier peut débuter le mardi 17. Attends. Le 17 janvier, c'était pas quand c'était marqué genre jour d'ouverture? Vache. You what? Attends. J'aurais dû regarder la date sur le calendrier. J'aurais dû me souvenir. Parce qu'est-ce que c'était pas le 17 janvier justement sur le calendrier? Oui.
Le piano, il va se mettre à jouer, non? Ah, j'aurais cru. Je me suis jetée sur le piano direct. Attends, c'est quoi cette merde? Ça va être une pièce de théâtre? Je le sens mal. Oh là là. Ah, j'ai trop peur, c'est abusé. L'ambiance, elle a grave changé d'un coup. Ah, il faut une clé. Ouais. Il nous faut une clé. Non, non, non. Là, ça sert à rien. Où est-ce qu'on va trouver une clé? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'endroits qu'on peut visiter. Allume le projo, ça serait trop bien. Vas-y. Pas de lumière? Mais il est branché en quoi? Ah, il est là le câble. Il passe dans le mur, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, donc là c'est verrouillé. Là j'ai le droit de monter. Enfin, j'imagine. Dans le papier, je l'avais lu ou pas? Kate y est pas allée de main morte sur les modifs. Et donc, c'est tout son texte en fait à Kate. Il y avait un autre truc à examiner, non? Ça, j'avais déjà examiné. Ah, mais ça nous permet de voir la date. Ah ben non, 29-09. J'ai rien dit. Après, il y avait un calendrier où il y avait écrit un truc. Bon, on va aller voir. Ok, là, c'est verrouillé. Du coup, je pense qu'il me reste que l'étage, en fait, où je peux monter, c'est tout. Oh, l'ambiance du jeu, elle est ouf. Merci de me permettre de vous contacter directement. Votre éditeur m'a dit que vous aviez hâte de me rencontrer. Il semble que nous ayons un intérêt commun. Voilà plusieurs années que je conçois une attraction touristique sensationnelle censée sur l'histoire de Holmes, à l'intérieur d'une réplique exacte de l'hôtel de l'exposition. On l'a pas déjà lu ça? Bonjour Grand Thème, c'est avec plaisir que j'accepte votre invitation. Je suis sûre que ma femme et mes filles accepteront de me suivre. Mon frère Francis est en ville en ce moment, nous serons donc bien 5, je leur fais entièrement confiance. Ils sauront garder le secret. À vendredi, Joe. Si vous voulez mon avis, ça finit en civet cette histoire. Ah, une pièce! On sait toujours pas à quoi elles vont servir. Hein. On va pouvoir les échanger apparemment avec le bibliothécaire, mais bon. 12, let's go. Attends, il y a un truc là. Attends, c'était 179 tout à l'heure. Pourquoi 180? Il y a eu un mort depuis ou... Oh, mais si, c'est la meuf qui s'est fait trappe. D'où le 180, je pense. Oh non, si c'est ça. C'est chaud par contre. Bon, trouvons une porte vite. Barrons-nous d'ici. Une porte ou une clé, je sais pas trop. Qu'est-ce que je dois trouver? Le papier, je l'ai lu. Non, j'ai fait le tour. Hein. Donc il faut que je descende, j'ai pas le choix. C'est une porte que j'ai pas vue, je pense. Non, on est d'accord, ça marche toujours pas. Super.
On est pas là. On va passer par là. Hein. Ah, le 17. 17 novembre. Grand opening. Et c'est pas... Bah, je me souviens déjà plus de la date des travaux. C'était pas les... Le 17 novembre, les travaux aussi? Quelle mauvaise mémoire, c'est insupportable. Heureusement qu'on m'intègre pas dans un jeu d'horreur, hein, parce que moi, ça durait pas longtemps. Ouais, c'était là, je crois. C'est quand les travaux? 4 janvier. Mardi 17 janvier. Non, rien à voir du coup. Bon, par contre... Quel est mon but là? Rétablir le courant. Bah attends, bah, le courant c'est forcément dans cette pièce. Rétablir le courant. Attends, il y a un truc là, il y a un digicode. 0451? Oh putain, je sais plus. Et voilà. Et voilà. J'aurais dû le noter. Il faut pas faire confiance à ma mémoire. Oh si, faisons confiance à ma mémoire. Merci Seigneur. Quelque oh, bah, chose alors, du 21e siècle. Alors attends, parce que là, ça va être compliqué. Bah, attends, attends, il y a problème. Hein. Ah. Celui-ci. 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 Merde. J'ai le droit de faire genre ça. Dans cet ordre-là. Et après lui. Et bah lui. C'est bon. Je commence à devenir professionnel dans le domaine. Sauf que je vais allumer ça, ça va buter la nana. Non, c'est bon. Retourner dans le hall. Ah mais là aussi il faut une... Ah mais peut-être que le mec il peut les ouvrir avec sa... Ah non, seul. Nous avons apporté les demandes souhaitées suite à votre testament. Un testament, pardon. L'unique bénéficiaire serait Richard Belknap. Nous vous recommandez de transmettre une copie de cette lettre. What? Jessica Maxwell. Donc il y a eu un changement de testament. On essaye d'obtenir cette info. Pas du tout par là, je pense. Oh, cette angoisse. Il est angoissant le jeu là. Attends, là c'est fermé mais c'était pas ouvert tout à l'heure. Attends, attends, je commence à péter un câble. Oh putain. Sors, sors, sors. Tu t'en sors, Jimmy? J'ai pas confiance. Un petit souci électrique, mais on va pouvoir commencer. C'est super. On s'y croirait. Avec un assistant et de l'aluminium, j'aurais créé un effet vacillant. Franchement, ça passe. J'aurais deux, trois détails à régler en présence de Kate,
mais j'en aurai pas pour longtemps. Merci pour ce que t'as dit au dîner. Où sont les autres? Vas-y, curiosité. Où sont les autres? S'ils ont un peu de jugeote, ils devraient pas tarder à arriver. J'ai bientôt terminé. J'irai les chercher dans une minute. C'est quoi? Je pense que c'est quand la nana elle a gueulé tout à l'heure. J'ai pas suivi les heures, mais je pense que ça doit être ça. Au secours! Je m'aider, s'il vous plaît! Oh là là, l'angoisse! Les gars! S'il vous plaît! Erin! Détresse. J'arrive pas à ouvrir la porte! Elle va faire une crise d'asthme, je pense. On est là. Il y a du gaz, non? Oh là là, je vais canner. Impatience. Il me faut mon inhalateur. Elle fait une crise d'asthme. C'est laquelle ta chambre? Ah, vite. Charlie, où est ta chambre? À côté de la mienne. C'est la 180. Erin, je vais le chercher. Essaie de respirer lentement. C'est la 180, j'ai la même. On est là, Erin. Essaye de rester calme. Allez, compte. Inspire. 1, 2, 3. Souffle. 1, 2, 3. Il faut qu'on enfonce la porte. Mais ouais. Go défoncer la porte, hein. Je peux pas. Cherchez de quoi enfoncer la porte. Avec Marc, on va tenter de la forcer. Mais go dégommer la porte, là. Qui est là? Je suis dans la merde. Hein. Là, il faudrait qu'elle dise qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Ah bah tiens. Dites, il y a quelqu'un avec moi, tout près. Oh mon Dieu. Il y a personne qui l'entend ou quoi? Tout le monde s'est barré? Non, il va me planter. La séquence, on a vu qu'il s'était fait planter. Je pense que si elle prend l'inhalateur, elle crève. Attends, c'est prendre ou attaquer? Je retire ce que j'ai dit. J'en sais rien. Elle se fait planter, mais elle se fait planter par quoi? Après, il y a un truc pointu en bas. Je sais pas, soit il l'est... Non, j'en sais rien. À quel moment un... Non. À quel moment tu attaques un mec comme ça? N'importe quel moment, tu vas me dire. À quel moment tu prends l'inhalateur? Allez, c'est un choix du... Il faut que j'arrête. J'ai plus le droit de faire pause. C'est pas du jeu. Dans la vraie vie, ça serait pas comme ça. J'aurais dû le prendre. Il va me planter. Ouais, il va me planter avec la machine. Au secours! Non! Bon, eh bien, premier mort, ça commence. C'est pas possible, putain. Bah, elle est morte, hein. Hein? Où elle est passée? Elle est pas là. Sans deck. Y'a personne ici. Où elle est? Je sais pas. Erin? Erin? Oh là là là. Elle a dû trouver une issue. Les problèmes, les problèmes. Il doit y avoir une porte ou une trappe quelque part. Une sortie? C'est un placard, Charlie. J'aurais dû prendre l'inhalateur, mais bon, c'est vrai que sur le moment, tu préfères attaquer la personne, hein.
Le mec te parle pas, il te tend juste un inhalateur. Ah, monsieur le bibliothécaire, il faut qu'on parle. Ah, c'est problématique ce qui se passe. Voilà. Oui. Comment Jamie va-t-elle accueillir la nouvelle? Bah, très mal. Juste hein. Au moment où elles semblaient s'être avouées leurs sentiments mutuels. C'est catastrophique. Bien. Et où se trouve notre hôte, monsieur Dumet? Il semblerait qu'il ait quitté l'île. C'est grossier de sa part de manquer le dîner. Cependant, Charlie a su rallier ses troupes, et tant mieux. Car la route à parcourir sera semée d'embûches. Je ne peux qu'observer, et cela peut s'avérer très frustrant. Je dois dire que je vous envie. Je consigne les événements, mais vous les façonnez. Vous devriez y retourner avant qu'un de nos amis ne prenne de son propre chef une mauvaise décision. Vous voulez pas m'échanger, je vous échange mes pièces, non? Quoi elles servent mes pièces alors? Où elle est passée? Elle doit pas être partie bien loin, c'est obligé. Ouais, il doit y avoir une explication logique. C'est un vrai labyrinthe ici. Elle a dû prendre un mauvais chemin et... Et elle s'est mise à crier? Vous l'avez entendu, oui. Il s'est passé un truc. Tu n'en sais rien. Arrête! La vérité, c'est que t'as pas envie d'annuler le tournage. Moi, par contre, j'y vois aucun inconvénient. Il y a un truc qui tourne pas rond ici, alors on va chercher Erin et on se barre de cette île en vitesse. Tout le monde se calme, ok? Laissez-moi le temps de réfléchir. Eh ben, ça promet. Et c'est une sortie de scène pour notre patron au courage légendaire. C'était quoi? Oh, le branquignol. C'est Charlie qui réfléchit. On dirait plutôt qu'il pique une crise. Ça peut se comprendre. Si on boucle pas cet épisode, on est foutu. Non mais t'es sérieux? Quoi? Tout ce que je ça dis... Ça fait des années que j'attends que tu prennes enfin une décision dans ta vie, n'importe laquelle, et là, ça, c'est ce moment que tu choisis pour t'affirmer? L'émission compte plus que la disparition d'Erin. Tu déconnes, Marc, arrête. On la trouve et on se tire. Vous tirez des conclusions hâtives. Marc, je sais pas quand vous avez échangé vos points de vue respectifs, mais Kate a raison. Si l'émission est annulée, on est foutu. Ouais, je m'en fous. Je vais chercher Erin. Bon, voilà le plan. On a déjà un plan. On se tire d'ici. Non, écoute. Écoutez, tout va s'arranger. Je vais retrouver Dumet et on va s'expliquer tous les deux. Après le sale coup qu'il nous a fait ce soir, on est en droit de lui demander une interview. On abandonne Erin? Elle va revenir. Bravo, Charles! Tes délires à la con nous ont encore bien foutus dans la merde! Dumet a filé, je l'ai vu, tu te souviens? Il est peut-être rentré. Ou peut-être pas. Ça te tuerait de positiver juste un peu pour une fois? Quand on voit les idées qu'a Charlie d'habitude, celle-ci n'est pas la pire. Ce n'est pas la pire idée que j'ai eue ce soir. Y a vraiment pas de quoi être fier. Ton sens des priorités est merdique. Je laisse tomber. À plus. Je viens avec toi. Si on part chercher Dumet, peut-être qu'on retrouvera Erin aussi. Alors Erin, comment vous dire? Il peut raconter ce qu'il veut, c'est mort. J'aurais dû prendre l'inhalateur. Kate. Je m'en vais, Marc. Tu me suis ou pas? Oh, je suis tellement dégoûtée. Je l'ai fait tuer. Bien sûr que oui. Le pire move ever, je l'ai fait tuer. Ok, Big Boss. On le cherche où, Dumet? Je cherche pas Dumet, mais des images valables. Si on tombe sur lui en chemin, parfait. Erin a disparu et on dirait que ça te fait rien. Si, ça m'inquiète. Mais il y a pas que ça, figure-toi. Waouh. Tu sais, travailler avec toi m'a vraiment permis de comprendre ce que c'est qu'un sociopathe. Normal, c'est une émission pédagogique. Viens, on descend. Connard. Quelle bonne ambiance. Est-ce que ça a changé? Là-haut ou pas? Oh, 181. Non mais il y a un truc avec ça. Il y a un truc avec ça. Oh là! Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. C'était pas du tout comme ça? Ah ben ça c'est le texte de Kate. Oui, c'est ça. Je vais tout de suite aller ouvrir le tiroir. Erin, tu m'entends? Tu peux prévenir avant de hurler comme ça?
Il y avait un tiroir là tout à l'heure. Peut-être qu'avec ma carte, je peux l'ouvrir. Je commence à flipper. On a à peine cherché. Ouais, mais elle est partie depuis longtemps. Erin ! Let's go. À tous les coups, elle est en train de griller une clope avec Dumet. Elle fait de l'asthme. Elle fume pas. Mais t'as pigé. On va la trouver. J'espère qu'il n'y a pas un rat dedans, parce que bon. C'est quoi ça ? J'hallucine ! Hector Munday. Nous vous remercions d'avoir choisi Twilight Prairie comme résidence pour votre mère. Ok. Là, attends. Chercher Dumet, ça va être compliqué. Hein. Monsieur Dumet, pour le trouver, ça va être comique là. Oh, il y a du sang par terre, j'avais pas vu. Jamie, par ici. Ok, ouais, je flippe carrément. C'est du sang, c'est tout. Du sang, c'est tout ? Tu te fous de moi ? Pas de conclusion hâtive. Si ça se trouve, c'est celui d'Erin. Arrête. Erin a disparu, il y a du sang partout, mais bon. Tout ce qu'on sait, pas de conclusion hâtive. Quelque chose et que ça saignait. Et ça t'inquiète pas plus que ça. D'accord, c'est un peu louche. Louche ? Je dois dire quoi ? Écoute, c'est sans doute simplement Dumet ou le gardien qui a rapporté un animal mort de l'extérieur. Du gibier pour nous. Bienvenue à tous, au spectacle de ce soir. Oh, c'est quoi ce délire ? Présenté par Grand Thème Dumet. Dumet ? Quoi ? Il est pas parti. Quoi ? Non, ça a dû suivre les traces de sang. Non, non. Je touche à rien. Suivre les traces de sang, c'était marqué. Ah. Charmant. Ok. Tu entends ? Pitié ! Au secours ! Putain ! Aidez-moi. C'est le mec avec son truc jaune de tout à l'heure. Non mais qui dit pas que c'est des conneries. Vous êtes... Je ferais n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous arrive ? Est-ce que ça va ? J'hallucine. Stop ! Regarde. Oh, c'est saoul le truc. Qu'est-ce oh, c'est chaud là. Merde, c'est un piège. Si t'arrêtes d'appuyer sur cette plaque... Ce gars va se retrouver transpercé par ce truc. À l'aide ! Pitié ! Au secours ! Aidez-moi ! Jimmy ? Je vais rester. Oh non, je vais crever. Oh bordel. Ce qui est bien, c'est qu'avec moi, le gameplay va pas durer longtemps. Donne-moi ta main. Allez, putain. Oh, hache. Mais il est où ? Ouais, jamais. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'on se tire d'ici, et vite ! Charlie ! Hein ? On y va ! Comment ça se fait que les cadavres disparaissent aussi vite ? Tu l'as vu ? Le masque ? C'est quoi ce bordel ? On est coincé. Putain, ils auraient dû jeter les caisses en dessous pour on bloquer le système. Qu'est-ce qu'on fait ? On enfonce cette putain de porte ! Ok.
à trois. Mais c'est du métal, tu vas enfoncer quoi? 2, 3. T'entends ça? Oui. C'est la merde. Qu'est-ce qui se passe? Merde. T'as ton cristal sacré? J'ai eu peur. Et te fous pas de moi. Désolé, je voudrais pas que tu te coupes. Ce caillou est coupant. Et super magique. C'est une pierre d'améthyste, ça. T'aide à te calmer en t'enveloppant d'une énergie protectrice. Je sais, je me souviens. Ben si tu sais, évite de dire des conneries. Peut-être que je trouve simplement que tu devrais assumer tes propres émotions au lieu de confier le travail à une pierre. T'as peut-être raison, elle m'aide à me sentir mieux. T'as peut-être raison. Mais t'as pas besoin de te payer ma tête. Ok, c'est peut-être nul de ma part de t'avoir dit ça. Je suis désolé. Ça va. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment de... Faut que je t'avoue quelque chose. Ok. Tout à l'heure, t'as parlé de ce job que j'ai laissé tomber. Je t'ai jamais dit la vérité. Hein? Comment ça? C'était pas un job, pas vraiment. Tu veux bien préciser? Tu sais, mon pote Murray, il voulait ouvrir un studio à Brooklyn, de photos. Et il cherchait un associé. C'est ton rêve? Ouais. Ça m'aurait pas rapporté une thune, alors j'ai cru que... Tu me dirais que c'était complètement débile. Et t'aurais raison. Pourquoi tu t'es ravisé? Tu aurais dû poursuivre tes rêves. Pourquoi tu t'es ravisé? Pourquoi t'as pas accepté? Pourquoi tu m'as rien dit? Quand c'est arrivé entre nous, c'était pas terrible. Ah, non, 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 non. Viens pas me dire que c'est de ma faute. Ça a été ton choix. Je sais. Il y avait quelqu'un derrière, non? J'ai refusé parce que... It would have taken me away from you. Ah non, ok. C'était stupide, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. J'avoue que j'y avais pas pensé. En fait... Que veux-tu que je te dise? Je m'accrochais en espérant que les choses changeraient. Au fond, j'ai encore de l'espoir. Tu savais où étaient mes priorités, tu aurais dû le dire avant. Fallait me dire tout ça avant. Je sais. J'ai pas l'intention de revivre ça. Et si c'était différent cette fois? Oh, arrête. Il y a aucune chance et tu le sais. Désolé. Je crois que je suis un peu perdu. Faut qu'on y aille. Trouvons Erin et tirons-nous d'ici. Tu crois qu'ils ont trouvé du maître? Je m'en fous. Ce que je veux, c'est trouver Erin, ce qui n'est certainement pas la priorité de Charles. Pourquoi tu l'appelles comme ça? Quoi? Charles? Parce qu'il aime pas ça, bien sûr. Alors là, se préparer à partir. Qui peut bien s'amuser à verrouiller ses portes? Du Met? En fait, j'ai l'impression qu'elle se déverrouille au fur et à mesure. En ciré jaune. Attends. C'est quoi? Y a vraiment un petit malin qui trouve ça drôle? Qu'est-ce que ça fout là? T'as apporté ça? Non. C'est elle? Oui. Shelby. Ongle assorti. Oh non. On portait toujours le même vernis. Ce qui lui est arrivé? C'est lui. Quoi? C'est lui. Ah, le tueur? Au second plan. Tu le connais? Je le connaissais. C'était juste un des mecs qui traînait toujours dans le coin... On se croisait parfois en soirée, mais pas plus. C'est à cause de moi. Tu sais que c'est pas vrai. Le soir de sa mort, je devais la retrouver. On devait aller acheter à boire ensemble pour une soirée. J'ai dormi. On nous disait bien au campus de surtout pas sortir seule.
Shelby m'attendait, je suis pas venue et... C'est là qu'il l'a eu. Tout va bien. Oh, putain, ça va pas bien. Rien ne va bien. Je vis avec ça tous les jours et là, il y a quelqu'un qui sait. Quelqu'un a voulu que je trouve ça. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune idée. Ça ne me plaît pas du tout. C'est pas vrai. Par ici, vite! Charlie! Je tiendrai pas. Écoutez, il jeta un truc. Je vais absolument trouver un moyen de sortir. Tirez-vous de ce merdier! Vite! Oh. Jamie! Charlie! Merde, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mais je crois que là... Ça sent pas bon. C'est une trappe en dessous. Ça ne bouge pas. Et maintenant? On est foutus! Il doit y avoir un autre passage. Ouais, des couloirs de maintenance, des conduites, c'est obligé. Oh là là, pff, les emmerdes. C'est hyper flippant parce que le mec il ferme toutes les portes, referme les murs. Dumette, d'où il sort ce type? Il était nerveux sur la route. J'ai pensé qu'il était juste un peu excentrique. Entre un excentrique et un meurtrier, il y a un sacré fossé. Il faut réfléchir. Tu as vu Dumette quitter l'île? Il aurait découvert qu'il y avait un tueur ici et aurait décampé? Possible. Ou peut-être que l'homme qu'on a rendu... Sale foiré. Quoi? What? Mur de briques. Continue. Exactement comme Holmes. Non, je veux pas penser à ça. J'essaie de faire un plan dans ma tête. Mais je crois que la chambre d'Erin a été totalement isolée. Putain, Charlie! Pourquoi s'attaquer à elle? C'est quoi ce délire? C'est une gamine. Oh, ouf! T'entends une voix de gamine aussi? J'ai bien cru que j'avais pété un plomb. D'où est-ce que ça vient? Charlie, par ici. Non, mais c'est sûr, c'est un... Essayons d'ouvrir. J'ouvre la voix d'enfant. Non, mais attends, c'est sûr, c'est une connerie, en fait. J'aimerais me dire que ça se trouve, il y a un magnétophone derrière. Oh putain. Je me dis vraiment que le jeu va très vite se terminer avec mes choix là-dedans. Hein. C'est des poupées russes. Ces poupées qui s'emboîtent là, les unes dans les autres. Tu dérailles là ? J'ai pas besoin de ça. On est dans une cuisine, piégée dans un hôtel. Oh ! Nathalie Morello. Oh, est-ce que tu... Oh, merde ! Putain de chiotte ! Oh putain, c'est un cadavre ! Tu crois ? Ouais. Elle était du dernier groupe à avoir visité l'hôtel. Je n'en sais rien. Peut-être que... Charlie, j'ai peut-être trouvé une issue. Ouais, une issue ou la fin. Regarde, elle s'ouvre sur l'extérieur. Elle sera sûrement moins difficile à forcer. Recule. C'est pas vraiment ce que j'espérais. Oh, Amy ! Ah ! Oh non, le briquet. Notre seul moyen de voir un peu de lumière. Charlie ? Oh non. Charlie ? Oh, c'est l'angoisse en ce qui se passe. Eh oh ! Erin ? Parle moins fort ! Où elle peut être ? Elle a pas pu s'envoler. Marc, viens par ici. Qu'est-ce qui se passe ? On est coincé ? J'en ai bien l'impression. Attends. Chut. Quoi ? Chut. Tu entends ? Tu crois que c'est eux ? D'où est-ce que ça vient ? Il y a quelqu'un dans le restaurant. On fait quoi, Charlie? Vous faites tuer. Vous allez penser à tous. À vous tous. Pardon.
C'est quoi ce bordel? C'est une reproduction, Marc, en fait. Qu'est-ce que tu fais? De la scène. T'approches pas de ce truc. Ouais. C'est juste des mannequins. Dans quel merdier nous a fourré Charlie? En vue d'angoisse. C'est complètement dément. Je sais pas dans quel merdier nous a mis Charlie, mais si je vois du maître, je le défonce direct. Mais non, mais inspecter les mannequins, je trouve que c'est une connerie. Elle avait un truc dans l'œil en plus. Non, mais il y a un mannequin qui est piégé dans le tas. Je suis obligée de trouver les autres, inspecter les mannequins. Putain, je suis vraiment obligée du coup. Il y a un piège quelque part. Oh là là, il y en a un qui a un truc dedans. Ça va être lui, là, on l'avait vu, là, il a mis la casquette. Bon sang. Pas croyable ce qui lui ressemble. C'est pas possible que quelqu'un ait fait cette mise en scène en quelques heures. Ok, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu entends ? Des pas. Et il se rapproche. Non, faut se mettre de l'autre côté de la porte. Hein. Oh putain, fallait se mettre de l'autre côté de la porte. Jamie! C'est quoi ce cirque? Désolé, j'ai cru que... Putain! C'est quoi ces trucs? Après le coup du mur, qu'est-ce qui s'est passé? Dumet a tué le gardien. Quoi? Sous nos yeux. Dumet? C'est un traquenard! Il portait un masque et je sais que ça a l'air dingue, mais c'est pas une blague et maintenant il en a après Erin. On doit partir. Mais est-ce que c'est vraiment Dumet qui fait ça en fait? Minute. Est-ce que c'est pas quelqu'un de la famille de Holmes? J'en sais rien. On a été séparés. Non mais c'est pas possible. Vous savez, comme ça quand ils retrouveront nos cadavres de l'autre côté du lac, dites-moi que je rêve. Les accusations. Corps. Tchè. Putain, fais le taire. Tchè. 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 Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Oh, non, elle avait un truc dans l'œil. C'était quoi? Ah, un vrai œil. C'est un faux. Un accessoire. Ou un œil d'animal, forcément. Non, 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 je rêve. C'est des vrais gens à l'intérieur? Oh, c'est un vrai, putain, je vous l'ai dit que c'était du délire. Foutons le camp d'ici. Oh, c'est fermé. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette porte aussi est fermée. Dumet! T'as envie de jouer? Sors de là, tout de suite. On va s'amuser. Dans Until Dawn avec Josh qui regardait tout le monde. Charlie sous-sol, 23h52. Oh là là. Faut que je me tire d'ici. C'était le sous-sol, super. J'ai pas ma super carte. Ça servirait pas à grand-chose.
Jimmy ? Ouais ? Jimmy ? Je vais bien ! Aïe, merde ! What ? Hein, d'accord. Mais what? Clé de cellule. Non mais là, je vais passer un truc digne du film Saw. Ça va mal se passer, c'est sûr. Ils n'y voient rien, j'ai paumé mon briquet. Tueur de Chicago, victime 2, cause du décès, blessure abdominale. Les dents de la victime ont été arrachées. Et l'autre ? Anonyme numéro 2. Je suppose que tu as lu mon rapport pour le premier. MO identique, individu masculin non identifié, blessure à l'arme blanche. Situé dans la région abdominale inférieure, les blessures correspondent à celles de la première victime. La nature et l'aspect des lésions suggèrent que l'arme du crime est probablement la même. On dirait qu'on a affaire à un chasseur de trophées. Cette fois, l'oreille gauche a été sectionnée. Une incision propre, probablement effectuée à l'aide d'un scalpel ou d'un rasoir. C'est très net. C'est du bon travail. Ça a très peu saigné. Bah super. Le décès a précédé la mutilation d'environ 30 ou 40 minutes. Par rapport au MO précédent, c'est très différent. Souviens-toi, notre anonyme était encore en vie quand on lui a arraché les dents. Ce qui a dû être aussi bruyant que salissant. Ce type est en phase d'apprentissage. Mais quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est bizarre ces séquences qu'on a là à chaque fois. On a des cinématiques bien particulières. J'ai hâte d'en savoir plus. Logbook. 17 janvier, arrivé sur la plupart des membres de l'équipe 1, transport équipement, jusqu'à l'hôtel, rencontre avec Becknapp, propriétaire de l'hôtel. Début de l'évaluation du site, début des travaux d'excavation. Les travaux du rez-de-chaussée, premier étage, avancent comme prévu. Matériel a disparu. Nous avons fait un signalement et a demandé de remplacement. Ok. Ah, il y a James Kelly qui a quitté le chantier. Bon, il a carrément disparu, quoi. Bobby m'a laissé en plan, c'est la deuxième fois qu'un de mes gars me lâche. Début des travaux de rénovation du bar. Fin des travaux de plomberie dans le sous-sol, fin des travaux de rénovation du premier étage. Non, non, c'est pas ce que je voulais faire. Merde. Je voulais descendre. Ok. Bon, ça va, c'était pas si important que ça. Ok. N'hésitez pas à faire pause. Hein. Ryan a laissé un message m'indiquant que sa mère était souffrante. Je sais qu'elle est morte il y a plusieurs années. Je vais voir si Monsieur Belknap m'autorise à le contacter. Oula ! Mais c'est Monsieur Belknap, du coup, qui fait tout ça. En fait, c'est juste que tous ces gars se font buter un à un. Ah, Laura. Laura a failli d'installer le système de sonorisation. Il m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Il lui a donc proposé d'aller se reposer dans l'une des chambres de l'hôtel. Je n'ai reçu aucun message de Kelly concernant le reste de l'équipe. Qu'est-ce qui se passe? Laura est enfermée dans sa chambre et Monica s'est barrée. Je n'arrive pas à joindre Kelly. Demain, je retourne sur le continent avec Frank et Laura. C'est n'importe quoi, ce chantier. Oh, ouais, bah, si tu veux mon avis, ils sont tous morts. Quoi? C'était quoi ce truc?
Attends, il y a plusieurs trucs. What? Mais je vais me faire électrocuter là. Oh là là. Oh là là. J'ai eu peur. Je me suis dit, il va y avoir un truc qui va pop. Non, ça sent mauvais. Je vais me faire péter des points de suture, je le sens. Ah, ça sent vraiment mauvais, ça va mal finir cette histoire. Okay. J'ai toujours ma carte, let's go. De 12, ok, ça me rajoute 2, je passe à 14. Oh, j'espère que j'aurai 7 pièces à la fin. Okay. Attends, par contre, il y a des flammes là. Ça vient d'en face. Une poupée calcinée, super. Trop bonne ambiance. Ah mais c'est la pièce où je vais cramer. C'est le souvenir que j'ai de la pièce où je vais cramer. Ah bah tiens, son paquet de clopes. Non mais non, tu vas pas cloper. Alléluia. Maintenant. Non mais clope pas. Hein. C'est des vrais. Non, clope pas. Ne clope pas. Ça va être la meilleure cigarette de tous les temps. Eh bah oui, c'est sûr, tu vas canner. Oh, il a pas son briquet, tant mieux. C'est pas vrai. Oh. C'est foutu. Ah, ils vont tout voir, eux. Thank you.
Eh ouais, je suis là. Ouais. C'est qui ça, purée? Je vais tenter de lever la grille. Parce que forcer la porte, j'ai l'impression que c'est mort. Non, lève la grille. La porte, je pense, c'est foutu. La grille, en plus, elle se lève, là. Tu vas t'ouvrir, putain. Tu vas t'ouvrir, putain. Oui. Je sais pas si de remettre la grille ça fait quelque chose par contre. Hein. C'est vrai, faut savoir la relever la grille. Hein. On va peut-être dû forcer la porte. Commence à chauffer pour nos amis. On m'en parlait pas. C'est peut-être déjà cuit pour Charlie. Il fait des jeux de mots en plus. Il peut s'avérer parfois difficile de travailler avec quelqu'un qu'on a aimé. Mais je crois que Kate et Mark trouveront une solution et apprendront de nouvelles choses l'un sur l'autre. Que pensez-vous des superbes animatroniques de Monsieur Dumet? Bah, ils sont flippants. Je les trouve ingénieuses. Certaines sont extrêmement réalistes. Je me demande d'où proviennent les pièces. Bah des... Il serait équitable à ce stade... Des trucs de chantier là qui ont été volés, un non? Un petit indice pour équilibrer la donne. Ok. Qu'en dites-vous? Vas-y, indice, oui. Cherchons l'inspiration dans les œuvres de Sir Arthur Conan Doyle. Il semble que notre ami Herman Mudgett vouait une telle admiration à Sherlock Holmes qu'il lui a emprunté son nom. Voyons. Il a un cerveau merveilleusement organisé. Il reste immobile, comme l'araignée au centre de sa toile. Mais cette toile a 1000 ramifications. Et il perçoit les vibrations de chacun de ses fils. Cela vous aidera, j'espère. Ah bah, on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde, hein. Si t'es... J'ai payé pour ça, là? C'était vous ça, l'aide? Vous devriez y retourner. Bonne oui, chance. Oui. Mais c'était ça le coup de main? Je l'ai peut-être sauvé, hein. Parce que dans mes souvenirs, on avait, je crois, un souvenir où il carbonisait contre la porte. Du coup, je pense que je l'ai sauvé. Bon, on verra, mais... J'aurais pu le sauver. C'est quoi délire?
Hé, hey, tu entends? Ouais. Ça vient d'en bas. Si ça se trouve, c'est Erin. Impossible. C'est encore un piège. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Alors, on va bien voir. Les amis, trouver une issue. On va s'arrêter là et la suite, ça sera demain. J'espère que ça vous a plu. Là, de tous les épisodes qu'on a pu faire, je crois que c'est le troisième aujourd'hui, c'est mon préféré. C'est mon préféré parce que là, ça, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On est en train de voir ce qui est en train de se passer. Bon, j'ai déjà fait crever deux personnages et peut-être même un troisième en seulement un épisode. Du coup, hâte d'être au prochain. Ça se trouve, le prochain sera le dernier. Hein, parce que vu la vitesse à laquelle je fais crever les personnages, ça devient catastrophique. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à liker si ça a été le cas. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à demain, 16h, pour une nouvelle vidéo sur la suite de The Devil Inuit.